Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, un top 6 de qu'est-ce qu'il vous faut pour une routine capillaire pour maintenir de la longueur. Alors, restez branchés. Premièrement, je vais vous parler du peigne. Je vous conseille premièrement de vous prendre un peigne à dents larges. Les filles, allez procurer un peigne à dents larges, c'est très 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 important pour maintenir de la longueur. Des peignes à dents larges, il y a plein de sortes de peignes à dents larges. Vous voyez, moi j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, il y en a plein. Alors, procurez-vous un peigne à dents larges, pas de petits peignes. Des petits peignes comme ça là, ça casse les cheveux. Casse les cheveux, vous n'avez pas de longueur, alors vous avez pensé que vos cheveux ne poussent pas, mais vous utilisez des peignes comme ça. Arrêtez ça, moi tout de suite les filles, prenez des peignes comme ça. Le deuxième conseil, je vous conseille de vous procurer une huile végétale, olive, coconut. Avocat, c'est très très important. Ça va garder votre hydratation. Vous allez maintenir de la longueur. Vos cheveux allez être troisième petit long. Conseil, je vous conseille pas d'utiliser des élastiques comme ça. Des élastiques comme ça, ça cause des nœuds. Moi, à chaque fois que je mets ça, ça casse mes cheveux. Je suis pas capable de l'enlever. Je vous conseille un élastique comme ça, en tissu ou en satin. Satin là, ce serait meilleur. Moi, j'en trouve pas ici. Alors, si vous savez où que je pourrais trouver des élastiques en satin, juste le mettre dans la description en bas. Je serais tellement contente d'utiliser des pinces comme ça, ça casse pas les cheveux, vous allez maintenir la longueur, ça met pas les cheveux, des petites pinces comme ça. Vous pouvez trouver ça partout, partout, partout. Je vous conseille aussi d'utiliser un bon conditioner quand vous êtes en transition, quand vous êtes post-défrisant. Je vous conseille un bon conditioner. Moi, j'utilise ça quand je suis en pause défrisant, excusez-moi. Ça démêle super bien les cheveux. J'utilise le ORS Olive Oil. J'utilise aussi... très aimé, fruitiste, j'utilise plein de sortes de conditionneurs. Conditionneur, ça dérange vraiment pas. N'importe quelle gamme, vous utilisez. Depuis que ça démêle super bien vos cheveux, vous prenez vraiment quelque chose qui va avec vos cheveux. Aussi, une crème hydratante, c'est très important. Moi, j'ai ma propre crème hydratante que je fais maison. Si vous voulez, vous pouvez me commander ça. Vous pouvez m'écrire vos informations en dessous dans la description. Je vais vous contacter. J'utilise aussi le Elasta QP. C'est vraiment bon. Ça hydrate vraiment bien les cheveux. Il faut vraiment une crème hydratante. La dernière chose, je conseille de dormir avec un bonnet en satin, un mouchoir en satin. Il y en a plein de ça. Ou sinon, vous pouvez vous procurer un oreiller en satin. C'est très important pour garder l'hydratation de vos cheveux. Si vous avez, vos cheveux ne sont pas hydratés, ça va causer de la casse. De la casse égale pas de longueur. Pas de longueur, vous allez penser que vos cheveux ne poussent pas. Mais c'est pas vrai. Alors, les filles, s'il vous plaît, procurez-vous un bonnet en satin. Alors, je vous dis de vous abonner, de like, de partager et peace! Dis bye, mon amour! Dis bye bye! Dis bye bye! Dis bye bye à la prochaine! Non? Elle a dit bye bye encore à la prochaine. Alors, bye! À la prochaine!